ojos están, con eso lo abrí. Bien, bien. Là, bien là, voilà. Mais moi, c'est tout le temps battant, parce que pour moi, il n'y a que comme ça que la meute peut vraiment s'exprimer et qu'ils apprennent à travailler les faux. Parce que tandis que quand on est au fusil, généralement, chez nous en plus, c'est des petites parcelles. Donc voilà, premier carrefour, le lièvre est mort. Et les chiens, voilà, les chiens après, ils n'apprennent pas à faire les devants, à faire les coupés. Donc voilà, moi je chasse au bâton pour que ma meute puisse chasser correctement. Décris-moi tous les chiens, leur spécificité, comment ils chassent. Comment ils chassent, bon, Donocht, voilà, il va faire ses temps, lui c'est vraiment mon baromètre. Vraiment un chien qui aime les retirer, très bon rapprocheur. Ensuite j'ai Farino, qui est un peu plus chaud. Sur les deux bouts, il peut faire des fautes, parce qu'il est capable, voilà, sur un défaut, de prendre un pied de la nuit. Donc ça, c'est un peu son défaut, mais à côté de ça, il est très très requérant. Je peux le laisser aller au bois tranquille, c'est un chien qui est propre. Et ensuite il y a Fida, qui est la plus collée, on va dire, et elle qui me fait la route, donc ça c'est important. Et ensuite il y a Galou, très bon chien de retirer aussi, qui est bon meneur. Et ensuite il y a les deux jeunes, voilà, ils vont faire 2 ans en mai. Et bon, pour l'instant ils chassent, ils sont quasiment créanciers, mais bon, il faut encore que j'apprenne à les connaître, voir ce qu'ils peuvent apporter à la meute. Ouais, il est où ton bâton? À la voiture, pour le moment je l'ai poche. Et à quoi ça sert un bâton, à la chasse au bâton? À soutenir les vieux. Puis les jeunes. No, il y a 50 ans que je chasse au bâton, et encore. Non, donc non. On va dire que c'est une chasse du 20e siècle. Oui, voilà. Et toi, dans la région, tu étais le premier? Non, il y en avait d'autres. Dans la Haute-Garonne, beaucoup, il y en a qui chassaient comme ça, pour le plaisir des chiens, quoi. Dans la Haute-Garonne, oui. Comment se déroule une chasse au bâton, dite chasse au chien courant? C'est dans le sud-ouest de la France qu'est née la chasse au bâton à la suite de la diminution des lièvres, mais surtout pour le plaisir du spectacle, qui est de mener sa meute et d'écouter leur musique. La musique est en interprétation des chiens du morceau que donne la voix. Il y en a où ils sont mis après, en voyant la vénerie sur le lièvre, ils s'y sont mis parce qu'ils ont vu que c'était joli, quoi. Il y a 2 millénaires, on chassait déjà avec des meutes de chiens pour suivre les voies des différents animaux sauvages. C'est devenu un art et une science en France. C'est la vénerie ou chasse à courre. La chasse au chien courant se pratique soit à tir, où l'animal est tué par arme à feu, ou à courre. À courre, le but est de forcer l'animal et le prendre, donc de l'attraper par les chiens uniquement. La manière étant plus importante que le résultat. Il y a 6 animaux de vénerie. Cerf, chevreuil, sanglier, renard, lièvre et lapin. Au bâton, le but n'est pas de prendre l'animal chassé, mais seulement de suivre les chiens et de les contrôler. On ne chasse que le lièvre. Un lièvre se mène dès le lancer 1 heure environ. Si les chiens sont rapides et le suivent de près, et qu'il n'a pas le temps de prendre trop d'avance et de ruser, il sera épuisé et pourra être pris par les chiens. C'est l'alali en vénerie. Mais à la chasse au bâton, on arrêtera les chiens avant qu'ils ne le prennent. Le but étant de le laisser en vie pour le relancer un autre jour. Le rapprocher. C'est suivre la voie d'une bête de chasse qui est passée depuis longtemps. On découpe la meute sur champ ou lisière de bois afin que les chiens empaument la voie, c'est-à-dire prendre une odeur de lièvre.
Le lièvre est un animal nocturne. Il parcourt de nuit du terrain et au petit jour, il rentre au gîte pour dormir. Le bon rapprocheur, le chien qui rapproche, va prendre une voie réaliste et ne pas suivre tous les parcours des lièvres qui sont sortis la nuit. Le lièvre, avant de se gîter, fera de nombreux sauts afin de ne pas laisser de sentiment, son odeur ou prédateur. Car contrairement au lapin, il n'a pas de terrier, il se couche à même le sol. Son instinct lui dicte de faire des retours sur lui-même et de croiser sa voie. Les chiens auront du mal à trouver son gîte. Cela se nomme le retirer. Le lancer. Le chien lanceur a pris connaissance d'un retiré, la dernière filée, comme disent les Marseillais, afin de lancer le lièvre. Quand le lièvre est lancé, il prendra de l'avance et rusera afin de perdre ses prédateurs. Les ruses du lièvre. Le double. Le lièvre revient en arrière sur sa voie pour mettre les chiens en défaut, ce qui complique la menée des chiens. Le lièvre peut ainsi prendre de l'avance. Un chien de double voie sentira cette double odeur du même animal. Il reviendra de quelques mètres pour chercher à droite ou à gauche l'odeur du parcours d'un animal chassé et trouvera la fuite, alors que les autres iront jusqu'au bout du double et il y aura perte de la voie. On est sur quoi? Sur un double. Il est assez chaud lui et ça donne bien. J'ai le jeune qui a été trouvé là-bas, donc peut-être qu'on va là-bas. Le change. L'animal côtoie d'autres animaux de son espèce, semant la confusion dans la meute. Car le but étant de suivre le même animal, il n'est pas question que les chiens partent sur une autre voie, mais doivent rester sur le même animal du début à la fin de chasse. On était en bout de voie là-bas, il avait doublé, et il remonte ici, et là il retrouve. La voie est difficile. Pourquoi? Nous sommes un matin de janvier dans le Gers, sud-ouest de la France. Le sol est gelé, il fait 0 degré, puis montée de la température à 15 degrés à midi, avec vent sud-est. Le vent d'est d'autant est inchassable. Ce ne sont pas des conditions favorables, c'est difficile de faire une bonne chasse, donc une bonne poursuite. Qu'est-ce que la voie? La voie, c'est des molécules d'odeur constituées principalement de gaz, qui s'expriment suivant la température et l'humidité de l'air et du sol, du vent et des courants. La voie est donc changeante, elle ne sera jamais pareille dans la journée et suivant les saisons. Ces molécules sont volatiles ou vont rester un temps au sol. Quand elles sont plus hautes que le sol, on dit que c'est le champ odorant d'air. Les bons lanceurs prennent des émanations hautes le nez haut afin de prendre ces odeurs. Le nez du chien est sa cinquième patte. On dit qu'il avance concentré comme un myope dans la lecture d'un billet d'amour. Après le lancer, la poursuite, et c'est le plus difficile pour les chiens. Le lièvre sortira du bois pour perdre les chiens en plaine. Les chiens reprennent connaissance de la voie, car l'accompagnateur Gilbert Roued a vu où le lièvre a passé. Le conducteur peut donc remettre ses chiens sur la voie. Tu l'as pas vu? On l'a vu, non, hein? La poursuite reprend. Mais jusqu'à quand? Un chien de chemin est capable de reprendre sur ce sol la voie perdue, car les molécules ne sont pas pareilles sur un sol de chemin caillouteux ou goudronné que sur un sol de terre ou un sol d'herbe. Les chiens vont-ils pouvoir relancer?
Les chiens reprendront la voie, un nouveau lancé, mais est-ce le même lièvre? Comme dit le dicton, on ne court jamais deux lièvres à la fois. T'as perdu là? Ouais, mais déjà à la sortie là-bas, ils n'arrivaient pas. Dans le temps que c'était dans le bois, ça menait, mais arrivé au vert, terminé quoi. Et là, ils peuvent pas, on va faire les coupées pour voir. Oh, 5 ou 6 minutes. Il avait trop de retard. Il était loin? Très très loin. Ah oui. On va aller chercher très loin. Et oui, c'est cette différence de température qui fait tout. Ouais. Là, t'es en moins 12 ou 13 déjà. Et on était à zéro ce matin. Alors, il était joli ce lièvre? Oui, il était joli. Un joli lièvre, mais il avait 4 ou 5 minutes d'avance. Hein. Ça, c'est sûr. Il a traversé la départementale. Et... pour que le lièvre soit bien mené, il faut qu'il ait entre 2 ou 3 minutes, pas plus. T'es le repère à la chienne. De chemin. Une chienne de chemin, tu vois. Là, il y a une chienne de chemin. Il faut aller au tas de terre là-bas. D'habitude, il t'est. Elle... un lièvre lancé en plaine filera tout droit pour gagner un couvert. Mais dans le bois, il fera des doubles. Serré de trop près, il filera droit pour sortir du bois, faire un grand tour en plaine et mettre en défaut ses poursuivants, afin de revenir dans le bois ou se tapir près des chiens, et en bloquant ses émanations, en respirant au minimum, les chiens ne le retrouveront pas. En fin de matinée, la meute, après un grand rapproché dans le bois, lancera et mènera le lièvre en plaine où il y aura perte. Ils relanceront, mais est-ce le même lièvre ? On arrêtera les chiens vers midi, le soleil et la hausse de température auront dégelé le sol par endroits. Quasiment plus de voix, donc les chiens ils sont en perte, ils ouvrent pour essayer de retrouver la voie, mais c'est très dur, je pense que c'est fini pour ce lièvre. Dès le départ ça a été dur, et maintenant ce qu'on s'est chauffé, je pense qu'il est perdu pour de bon. On va faire un coupé là, pour voir si on arrive à le retrouver, mais j'y crois pas trop. D'après Gilbert, il aurait pu se retapir au milieu du champ. Ah, attends, ça trouve là-bas. Bah, il s'est mis plus trop chaud maintenant. Recoupe un peu là, doucement, recoupe. Et quand tu te retrouves, tu t'arrêtes là. Et tu reviens. Là, là. Viens, hop. Alors la voie elle est comment? Eh bien je ne comprends pas, il dégèle, alors elle disparaît la voie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bah, il fait très chaud maintenant. Eh bien oui, il y a une différence de température qui est trop grande. Pourtant il n'y a pas de vent maintenant. Alors il n'y a pas de vent, c'est le chaud, mais il fait chaud. Il fait trop chaud. Ce matin il faisait zéro. Et maintenant ça, la température monte de plus en plus. Il fait quoi, 15 degrés presque? Oui, 14 ou 15 degrés là il fait. Tout à l'heure il faisait 12 par là et
Ah. Ça y est, reprend là. C'est pas peut-être le même. Hein? Beaucoup de fanons. Oui, et beaucoup de fanons, et la tête, elle avait une tête magnifique.